Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Zombie Castaways. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de construire cette chose, on va essayer de terminer l'île mystérieuse. Allez, c'est parti! Voilà, on se retrouve avec ce petit palais de glace pour essayer de le construire à fond, les gars. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé de récupérer un maximum de choses, donc de boules de neige, de branches. J'ai même trouvé de la glace, je vais vous montrer où ça après. Donc c'est parti, on construit, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, ça augmente un petit peu. Et après, on doit prendre. Mais c'est magnifique! Boule de neige, non, on peut le construire maintenant là. Oh, j'aurais même pas cru. Allez, bah c'est parti! Ça donne quoi? On doit encore le construire, mais on peut encore, mais c'est génial! Mais puis, oh, c'est la première fois que ce jeu me sourit, dis donc. En cadeau, ok, d'accord. Oui, dans tant de temps, oui, bon, on le fera en cadeau plus tôt, t'inquiète pas pour ça. Construire le palais de glace et transformer, ok, d'accord. Là, on va avoir masse de cadeaux, mon gars. Ça va être génial. Et du coup? Ah, du coup, je suis niveau 25, ça fait plaisir, ça. Ouais, j'ai un truc à vous montrer aussi, il me reste qu'un zombie de l'heure, c'est parce que j'ai acheté un truc, je vais vous montrer ça après. Ouais, donc on peut avoir des œils de poids, Babylone, ouais, une clôture, d'accord. C'est génial, comme tu dis, c'est génial. Et donc, du coup, après. Ah, on peut le transformer maintenant, d'accord, il n'y a même pas besoin d'attendre. Félicitons. Félicitons. Ça veut rien dire. Eh, félicitons. Non, c'est félicitations, c'est différent. Enfin bon, le palais de glace est construit, maintenant tu peux le transformer en un tas de cadeaux géants. Les gars, on le fait ou pas? Allez, suspense, on le fait pas tout de suite. Ah, le suspense, je suis un connard. Allez, c'est parti, les gars. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc déjà, j'ai trouvé ça. Donc, vers ici, là. J'ai trouvé des trucs comme ça, là. Et ça, c'est justement les trucs de glace, ça, je sais pas quoi. C'est là-dedans qu'on trouve les blocs de glace, tu vois. Donc du coup, il suffit de casser ces trucs-là et c'est bon, j'ai les blocs de glace. Et après, j'ai trouvé ces petites étoiles. Et regarde, ça nous fait gagner des petites étoiles comme ça, enfin des grosses étoiles plutôt, avec un Z dessus. Et ça, c'est pour les travailleurs en fait. Ouais, donc je vous montre vite fait à quoi ça sert. Et donc en fait, voilà, donc c'est pour utiliser avec ce truc là, tu vois. Donc que t'achètes dans le marché, juste là, voilà, apparatus. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, tu vois là, il y a une baie pour stick là, tu vois, qui est en train d'être préparée par les ouvriers là, et en gros tu veux que ça aille plus vite, et ben c'est très simple, hop, t'envoies une petite étoile et boum, c'est fait. Nickel ou pas? Et ben voilà, comme ça au moins je t'apprends un truc à mon avis. Voilà, donc on se retrouve sur la grande terre, déjà pour récupérer ces petits, je sais plus comment ça s'appelle, cristal, et pour vous montrer que, et oui, j'ai acheté la terre du haut qui coûte 99 zombies dollars, donc j'ai fait quelques missions. Voilà, donc il y a certaines missions qui donnent des zombies dollars comme ça, bon, un par un, petit à petit, on arrive à aller à 99, donc j'étais à 80, 90 ou 91, des trucs comme ça, tu vois, donc j'ai gagné petit à petit, enfin bon, voilà. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir acheter cette fameuse terre où il y a plein de cristaux, enfin, plein. Ils auraient pu en mettre plus, ces enfoirés, mais bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer ça. Voilà, donc il y a quelques cristaux comme ça, par-ci, par-là. Ouais, donc ça peut faire un stock. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 15 cristaux pour faire un puits. Et les puits, c'est ce qui nous sert à avoir des outils, tu vois. Donc forcément, c'est chaud. Hein. Dès qu'il n'y a plus de cristal, bah, ça fait un peu chier. Donc j'ai dû acheter la terre du haut pour avoir plein d'outils. Enfin, de pouvoir faire des puits, tout ça. Enfin bon, on s'en fout. Alors juste comme ça, je tiens à vous dire quand même que j'ai trouvé du cristal dans l'île mystérieuse. Donc hop, c'est celle-là, voilà. Et donc j'ai trouvé juste là, à gauche de l'île, ici là. Et donc du coup, bah peut-être que c'est pareil pour vous. Donc ouais, je vous le montre comme ça. Si jamais vous cherchez du cristal, essayez de chercher vers la gauche ici. Et puis voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fini d'utiliser tous mes outils. Et je pense qu'on a fait le tour des bonnes nouvelles. Et donc du coup maintenant, on va pouvoir transformer ce fameux palais de glace. Donc bah c'est parti. Oh là là, ça va être... Oh attends, attends, j'ai trop... Oh mais... Ah je sais pas quoi, c'est suspense mon petit. Allez c'est parti. Qu'est-ce que tu me donnes là? Ah encore du suspense. Putain, c'est hallucinant ce jeu. Allez, vas-y, ouvre-moi ça là. Qu'est-ce que ça me donne? Attends, 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 silencieux. Non, mais ça donne... Ouais, pour l'instant, ça donne pas énorme, hein. On a vu mieux. Et on peut... Oh! Oh! Non!
Oh, t'aurais pu m'en donner un peu plus quand même. Je pense qu'il y a six. Vu qu'il y a six étapes, je pense qu'il y a six ouvertures. Là, on est déjà à deux ouvertures et ça, c'est pas mal comme ça, comme ils ont fait là. C'est pas mal. Donc là, c'est la troisième ouverture là. Oh là là, putain. Et bah, ça va, on gagne quand même, on gagne, ça fait plaisir. Ok, allez, quatrième ouverture, c'est parti. Ok, ouais, ok, non, enfin, le. Oh putain. Oh, on gagne un peu de zombies dollars, ça fait plaisir. On gagne des livres, zombies dollars, on en gagne combien? 10 zombies dollars, ça fait plaisir. Donc on a gagné zombies dollars, on a gagné de l'XP, ça à la limite l'XP c'est pas ce qui m'importe le plus. Encore un peu d'XP, ouais, des étoiles, alors là les étoiles, mais je m'en fous. Parce que moi je fais autrement, moi pour avancer le temps. Voilà, voilà, je dis ça comme ça, ouais. Oh putain, on en gagne quand même, ouais. Ils se gavent les petits là. Moi j'espère qu'on va gagner masse à la fin. J'espère qu'on va gagner masse de trucs. Au dernier, ça serait pas mal ça. Au dernier qu'on gagne masse de trucs. Ouais, jusque là... on gagne bien hein, quand même. Hein, Oh putain, oh. Wow. J'avoue que... Ok, d'accord, bah, tiens, il y a de nouvelles trucs comme ça que j'arrive à... Il y en a, elles sont compliquées quand même à... Ouais, il y en a, ils sont vraiment très compliqués à mettre à fond. Bah, avoir comme truc... je sais plus ce que c'est, des tenues, enfin des... Des machins, quoi. On a encore des zombies dollars, ça fait plaisir. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que moi, je veux pas les étoiles, moi. Je voulais des trucs de fou, tu vois. Genre des tenues, à la limite, là, des collections. Voilà, collections. Moi, je voulais des collections, moi. Non, mais c'est pas mal, franchement. Oh là, franchement, là. J'ai envie de vous dire, ça vaut le coup. Alors là, je me suis fait chier, comme c'est pas permis à récupérer tous ces trucs de glace, là, ces machins, c'est... Mais ça vaut trop le coup, quoi. C'est vraiment un truc de fou, ça. C'est énorme, tout ce qu'ils te donnent. C'est énorme. Franchement, on a quand même fait de bons trucs là-dessus. Bon, il nous a pas donné de... Tu vois, il nous a pas donné d'outils. Mais c'est pas très grave. Il aurait pu au moins nous donner ça, quoi. Au moins des outils comme ça, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je vais essayer de voir si je peux pas voir 2-3 trucs un petit peu sur l'île. Et puis on verra ça après, sinon je ferai autre chose, c'est parti. Voilà, donc là j'ai un petit peu libéré la place, tu vois, j'ai fait un peu de place sur l'île. Alors le truc c'est que j'ai retrouvé un palais de glace. Et oui, effectivement, il y en a plusieurs. Il y en a pas qu'un seul apparemment. Donc le deuxième, bah moi j'ai trouvé ici, c'est le deuxième que je trouve. Et donc je suis en train d'essayer de le transformer. Le truc c'est que je vais essayer de le finir. Et puis je pense qu'après on s'arrêtera là. Voilà, j'ai du mal à parler, c'est pas très grave. Je vais juste vous montrer un petit truc. C'est que j'ai trouvé ça. Donc il y en a aussi un là, mais celui-là je peux pas le toucher. Alors que celui-là je peux le toucher. Donc je suppose que ça donne des boules de neige. Je sais pas, on verra bien. Ça donne quoi? Ah, ça donne un peu de glace, ok, d'accord. Ouais, ça donne des outils surtout, quoi. Ouais, ça donne des outils, de la glace et un peu d'XP et un peu de boule de neige. D'accord, ok, ça donne un peu de tout, quoi. Eh ben, ça fait plaisir, voilà. Donc, bah, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Eh, c'est super long, les gars, c'est un truc de ouf. Ce jeu commence à me vénère, c'est un truc de fou. Ça fait une heure et demie que j'y suis sur le jeu. Ça fait une heure et demie. Chitain, toujours comme ça, là, récupérer les outils, nanana. Oh, c'est chiant et long, quoi. Voilà, donc j'ai enfin fini ce putain de palais de glace, là. Oh, j'en peux plus, là. Que ça, là. Ça fait 2h30 que je suis en train de jouer au jeu, les gars. 2h30. Oh là là, juste pour un palais de glace. Non, mais juste pour essayer de découvrir cette île mystérieuse, là. Mais elle est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, là. J'en suis à 410 outils, mon gars. J'en étais à quelques dizaines d'outils, t'imagines tout ce que j'ai récupéré, mon gars, mais laisse tomber, c'est un truc de malade, un truc de fou, j'en peux plus. Voilà, donc j'ai essayé de découvrir un maximum. Je peux vraiment pas plus, les gars, parce que sinon, c'est... je vais péter un câble. Et donc, du coup, on va s'ouvrir ce petit palais de glace. Et je pense qu'on aura terminé pour cette île mystérieuse. On n'ira pas plus loin, que ce soit plus tard ou pas. Je pense pas que j'y retournerai. Donc, voilà, donc je pense qu'on a fini cette île mystérieuse parce que. Putain, oh là là, c'est une île de merde, hein. Et n'empêche, ça donne beaucoup, hein, ce truc, hein. Le palais de glace, il donne beaucoup, ça, c'est sûr. Hein. Ah là, franchement, j'avoue que qu'il vaut le coup, quoi. Hein. Surtout en bijoux, là, il donne aussi pas mal. Enfin bon, il donne vraiment plein de trucs de variés, tout ça, c'est plutôt cool. Mais bon, ça reste quand même chiant et long à faire. Et puis, découvrir toute l'île mystérieuse... Mais c'est trop long, c'est trop long.
C'est un truc de fou, quoi. Bon, pour ceux qui se demandent, j'avance le temps, hein, ce qui fait que, du coup, au lieu de me faire chier à attendre d'avoir des outils, eh ben, en avançant le temps, les outils viennent plus vite, tu vois. Enfin, t'as compris. Donc, j'avance d'une heure à chaque fois. Donc, t'imagines, à chaque fois, je dois me faire chier aller dans l'horloge, enfin, dans les paramètres, l'horloge. Mettre une heure en avance, après revenir sur le jeu, après récupérer les outils, après aller dans l'heure et tout. Oh là 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 là. Et ça, pendant 2 heures, mon gars. Non, mais bon, voilà, il y a des fois, hein, il faut ce qu'il faut. Oh putain, laisse tomber, j'en peux plus. Ce jeu commence vraiment à me saouler. Il est sympathique, hein. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il est long, comme c'est pas permis. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Il n'y a aucune raison qu'il soit aussi long que ça, c'est un truc de fou. Disons que bah, les puits, ils coûtent trop cher. Enfin, ils coûtent trop cher en ressources, hein. 50 000 pièces, ça va, à la limite. Mais en ressources, ils coûtent trop cher. C'est 30 bois de palmiers, 15... tu sais, les ah, comment ça s'appelle, là, les... Enfin bon, on s'en fout, sinon tu le sauras, d'une manière ou d'une autre. Et après aussi, il faut 12 BE sticks, là, c'est des préparations que tu fais. Enfin bon, c'est un truc de fou, quoi, les puits sont vraiment loin à faire, et il faut attendre, enfin, c'est pas qu'il faut attendre trop longtemps, c'est juste qu'ils sont trop loin à faire, quoi, c'est tout, quoi, enfin, c'est pas assez dynamique, le jeu, tu vois, tu peux pas faire de vidéo sur le jeu, il est pas assez dynamique, et c'est ça qui me saoule. Bon, j'arrive quand même à gérer tout ça, mais c'est trop chiant, quoi. C'est impossible de faire des vidéos sur le jeu, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a une tous les je sais pas combien de temps, hein. Ça doit faire 2 semaines que j'en ai pas fait sur ce jeu. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais hausser sur ce. Bon, le contenu est pas non plus... bah, il y a pas beaucoup de choses, hein. On a vu 2-3 trucs, on a vu 2 palais de glace, et puis au final, bah, pas grand-chose de plus. Mais disons que c'est un peu compliqué, voilà. Et puis voilà, donc moi je vous laisse sur ce, je vous dis une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool. Même quand vous avez un jeu de merde comme ça, restez cool.